Good morgen, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Lonishmat, Nissimana Oda Sarabatran Rachel, ainsi que l'Irfou Ataria Kebaben Shahar, Shlomo Ben Esther, Refelzulun Ben Chem, Alabetor Shahar d'Israël, ainsi que l'Atzlachat Daniel Ben Esther, Bechola Nyanim. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechat Avot Perikhe, Mishnah Chaf. Yehuda Ben Tema Omer, Ve Az Kanamer, Ve Kal Kanesher, Ve Ratz Katsevi, Ve Gibor Kari, La Sot, Rason Adicha Shabashamayim, Hu Haya Omer, Az Panim La Geinam. ובשת פנים לגן עדן, יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו, שתבנה עירך במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. Mishnah bien connu pour tous ceux qui ont le mérite d'arriver à l'heure à la synagogue le matin, avant de commencer Odou Lachem, quand on finit les korbanot. Alors, la Mishnah qui conclut les korbanot, c'est cette Mishnah-là précisément, que l'on va étudier. Yehuda ben Tema Omer, Yehuda ben Tema, avait l'habitude de dire « Ve az kanamer ». Il va prendre quatre animaux, relever un trait de caractère particulier et te dire ben, « Prends ce trait de caractère et utilise-le pour la Avodat Hashem à la bonne place, bien évidemment. » Et qui sont « az kanamer », soit donc « az kanamer », audacieux, effronté, comme un tigre. Namer, c'est un tigre en hébreu moderne, namer, c'est une panthère. Mais dans les mots de la Torah, c'est un tigre ou un léopard, plutôt. Je pense que ça doit plutôt être un léopard ou quelque chose comme ça. Il me semble d'ailleurs que j'ai déjà vu dans le Tiferet Israël quelque part qui dit que c'était un léopard, mais pas cette fois-ci. D'accord? Il n'a pas précisé ici. Kal kanesher, léger comme un aigle, ratz katzvi, zélé, rapide comme un tzvi, une gazelle, un cerf, plutôt un cerf, je dirais, vegibor kaari. Et fort comme un lion, la asot retzon avicha shebashamaim, pour faire la volonté d'Hachem, de ton père qui est dans le ciel. Ça, c'est la traduction. Les quatre points, donc, l'audace, l'effronterie, c'est expliqué de plusieurs manières. Dans le Barthénora, tout d'abord, il te dit, un élève devant son rave, il a honte de lui poser une question, ou le rave, il a déjà posé une question, le rave lui l'expliquer, mais il n'a toujours pas compris, donc il a envie de redemander, et d'un coup, on va avoir une mauvaise gêne, un mauvais sentiment de honte qui va nous dire « Non, ça se fait pas. » Ben, n'hésite pas. Tu veux comprendre, tu veux évoluer dans la vie. Tu comprends que, je connais un rabbin qui dit fréquemment, il vaut mieux, en hébreu, il dit « Hadif », il vaut mieux avoir quelques petites secondes de désagrément plutôt que de la peine pour toute une vie. D'accord, c'est un peu le principe. C'est le principe, les mêmes principes ici. Quoi, on est en train de te parler maintenant que toute ta vie, tu vas comprendre ce sujet que tu as appris. Ça va pas. Si le rabbi si quand il t'a expliqué, tu n'as pas compris, si tu n'as pas compris, tu ne comprendras plus. Tu vas passer à autre chose, après tu ne reviendras plus. Alors vas-y, n'hésite pas. Si tu vas avoir honte pendant quelques instants, le rabbi va dire alors où tu mets ta tête, tu n'es pas réveillé, tu n'as pas bu de café, tout le monde va rigoler autour de toi. Et alors, c'est pas grave. Ça, c'est le moment d'utiliser l'audace, l'effronterie, brise la glace et dis j'ai pas compris, expliquez-moi encore une fois. D'accord. Ça, c'est pour le Az Kanamer. Ça rapporte encore dans le Mishnah Berurah cette fois-ci, sur Velo Yevosh Mipenam Al-Egim Alav. Que des fois, il y a des gens qui se moquent de nous, qu'on a « Ah, oh, celui-là, le religieux, il est toujours là. » Qu'est-ce qu'il y a, le religieux, pas religieux, c'est pas le problème. Hachem, il m'a dit de faire quelque chose. Je le fais, puis c'est tout. Je m'en fous, je m'en moque que vous moquez de moi. Ça, c'est l'effronterie. « Vekal kanesher. » Kal kanesher, donc léger comme un aigle. Léger comme un aigle. Et ratz katzvi, et rapide, zélé, comme un cerf. Si vous faites attention, c'est à peu près le même principe, c'est une légèreté. Sauf que c'est sur deux plans différents. Le tzvi, c'est la légèreté du corps. Ça veut dire quand tu veux faire une mitzvah, ben cours pour faire une mitzvah. Soit zélé. Allez, tu dois faire, tu as un truc à faire, ben tu te lèves. Tu dois te lever le matin, hop, tu te lèves. Comme un tzvi. D'ailleurs, le tzvi, c'est spécialement, c'était dans les commentaires de Shir HaShirim, on avait expliqué que le tzvi, là, même quand il dort avec un œil ouvert, un œil fermé. Il regarde s'il y a quelque chose, et d'un coup, il se lève. Il se lève et il sauve, et il aide. Il sauve ou il se sauve. D'accord. Ça, c'est pour l'action. Maintenant, Kalkanesher, c'est plus du côté intellectuel. On a aussi une lourdeur intellectuelle. On n'a pas la flemme de vouloir se forcer à comprendre. C'est quelque chose de phénoménal des fois. On est capable de passer un quart d'heure devant un livre en voulant comprendre, mais sans faire l'effort de se dire « Allez, je me réveille et je veux comprendre. » Ça, c'est là. C'est pas un problème de zèle, c'est plus dans l'action. Cette fois-ci, c'est un problème de légèreté dans l'esprit. Ça reprend. C'est selon ce principe que le Barthénora, donc, il va nous expliquer que, pour reprendre ton étude, c'est-à-dire, je me souviens que j'ai parlé de quelque chose, mais d'un coup, je réalise. Je me souviens que j'avais étudié quelque chose il y a trois semaines, ça a permis de quoi. Et d'un coup, je vais avoir le... Ça va être trop dur de re-rentrer dans ce sujet que j'ai approfondi il y a trois semaines.
Eh ben non, ben vas-y, fais l'effort, avec légèreté, essaye de réorganiser. J'ai étudié ça et ça, donc j'ai parlé de ça, et puis tu réorganises tes idées. Ça, c'est le calque à Nechéa. C'est donc le même principe que le zèle, sauf que le zèle dans l'action, et la légèreté dans l'intellect. D'accord ? Pourquoi le Nechéa ? Quel rapport avec l'aigle ? Alors l'aigle, il a la singularité d'abord d'être l'oiseau qui vole le plus haut, donc celui qui s'élève le plus haut, la même chose aussi, ton intellect, pousse-le vers le haut. Et aussi, même tu vas serrer la porte encore une autre singularité qu'il a, c'est qu'il ose regarder le soleil et avancer vers lui. Il a de l'ambition, le petit. D'accord ? Et bien la même chose aussi, tu regardes le Hémet, tu regardes la Kdoucha, tu regardes la Torah, et tu fonces, et tu évolues, et tu n'as pas peur d'organiser toutes tes pensées. Si déjà je reviens juste sur le Namer, sur le tigre, le léopard, en réalité, pourquoi il est as ? Pourquoi il est effronté ? D'abord, en quoi il a de l'audace ? Il a de l'audace, le partenariat apporte tout d'abord, parce que dans ses forces corporelles, concrètement, quoi, il n'est pas spécialement fort. Mais il a une grande... Il hurle, il rugit très fort, et tout le monde tremble devant lui. Et qu'est-ce qu'il a ? Il a une grande bouche, rien de plus. On peut le dire, c'est un animal, il a une grande gueule. D'accord ? Il fait que de crier fort, il fait trembler tout le monde, mais en réalité, il n'a rien. Ça, c'est l'audace. La même chose aussi, toi, si tu crois que tu es faible, tout ça, ben, tu as de l'audace et tu avances et tu évolues. Ça, c'était bon. Donc, on a dit Askanamer, Kakanacher, Askasvi, et maintenant, il nous reste le Gibor, Kahari, fort, comme moi-même, Harry. C'est le Gibor, Kahari, comme un lion, cette fois-ci, c'est plus l'Irbosh et Tayetzer, Mina Averot. Qu'on dominait le Yetzerara sur la Averot, ça veut dire il y a quelque chose qui est interdit, comme un lion, je me dis, je ne vais pas le faire. D'accord ? Et donc tout ça pour faire le Ratson avec Rach le Shamaim. On a conclu la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, il avait encore, il avait l'habitude de dire Azpanim la Gehinam. Il a dit ceux qui sont effrontés, cette fois-ci effrontés dans le mal, à la différence de celui qui a la honte. Celui qui est effronté, qui n'a honte de personne, alors qu'il sache qu'à la fin, il héritera le Gehinam, il lui manque l'élément essentiel qui va le maintenir pour l'empêcher de faire des Averot. À la différence justement de celui qui a au bochet panim les Gan Eden, tandis que celui qui a la honte sur son visage, alors lui, il peut être sûr qu'il finira, et qui probablement, mais Zratéchem, qui va finir par aller au Gan Eden. Notion très claire, très simple, on vit en société, et celui qui est capable de faire des avérotes devant tout le monde, et quand on lui dit tu fais des avérotes, c'est pas bien ce que tu fais, il n'a aucune honte de personne, il rit sur tout le monde, et bien qu'on sache que celui-là, il va mal finir, il a rien qui va pouvoir le retenir. Avoir la boucha, c'est un super moyen pour se retenir et ne pas faire d'avérote. Imaginez quelqu'un qui va être tenté à faire une avéra grave, par exemple, et d'un coup, il va se mettre à réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde va savoir? Il va se couvrir de honte. Mais où je vais mettre? Regardez, il va pas avoir peur d'Hachem, il va pas avoir peur du Gehinam, il va pas avoir peur de toutes les misères parce qu'il va pouvoir hériter ensuite. Parce que tout ça, c'est pas quelque chose qui lui parle lorsqu'il a une force intellective qui vient le motiver. Il a très envie de faire une avéra, mais d'un coup, il va commencer à dire mais l'Archoum, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Tout le monde va le savoir. Je vais mourir de honte. Et bien, quelqu'un qui a la bochette panim, qui a la honte de l'autre, il a une super arme pour se protéger de la faute, à la différence de celui donc, qui a l'effronterie, sans aucune honte, qui développe ça à l'intérieur de lui, qui a peur de personne, qui est capable de faire les pires des choses devant tout le monde, sans aucune gêne, et bien qu'il sache qu'au final, il n'aura aucun retour, le pauvre. D'accord ? Et ensuite, la Mishnah se finit avec quelque chose de très particulier, ça se retrouve nulle part dans toutes les Mishnahot, c'est une prière. La Mishnah nous dit « Yehi ratzon milfanecha Hashem alokenu » Que soit ta volonté Hashem, notre Dieu, « Shetivne yirecha bimhera beyamnu » Que tu construises ta ville très prochainement, « Veten chelkenu betoratach » Et que tu nous donnes notre part dans ta Torah. Voilà la bracha. D'abord, il y a deux choses à comprendre. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette bracha exactement? Quel rapport entre le Bet HaMikdash et la Torah? Et après, comprendre qu'est-ce qu'elle fait là, cette Mishnah. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette fille-là, en plein milieu de cette Mishnah, quel rapport? Apparemment, il semble... Probablement que c'était Yehuda ben Tema Omer qui avait l'habitude de dire cela. Probablement, c'est comme ce qu'on va expliquer. Tout d'abord, le sens de la bracha, c'est très simple. Il faut savoir que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, à l'époque du Beth Amikdash, on avait une Torah d'une qualité supérieure, qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on étudie aujourd'hui. Ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est un résidu, un semblant de ce que la Torah, de la profondeur de la Torah. C'est un peu comme si que vous percevez quelque chose de très très profond,
et que vous allez vouloir l'expliquer à un petit enfant de 5 ans, vous allez lui donner des rachets prakim, des têtes de chapitre en lui donnant quelques petites notions. Même si l'enfant il est très aiguisé, vous allez pouvoir l'aider un petit peu à lui faire comprendre la notion du ribbit, comment la Torah le définit exactement. Mais il n'a en aucun cas la capacité de percevoir la profondeur et de commencer à penser des tas de petits cas particuliers dans différentes situations. Ouais, c'est à peu près le rapport. Et ben, imaginez ça amplifié en fois 1000. Et c'est à peu près le rapport qu'on a entre la Torah, qui nous reste, que l'on étudie aujourd'hui, Baruch HaShem, qui nous remplit toutes nos armoires. Ouais, et pas tellement nos têtes, malheureusement. Mais entre la Torah qui nous reste aujourd'hui et la Torah qu'on étudie à l'époque du Beit HaMikdash, le Gaon il écrit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, il y avait une Torah qui était mitradéchette constamment. Il y avait de nouvelles perceptions, encore plus et encore plus. D'accord ? Donc ça, d'où la notion, cette Mishnah, elle vient, elle nous fait une tfila en disant que Hachem, Yiratzon Hachem, que tu reconstruis son Beit HaMikdash, afin que l'on puisse enfin obtenir, hériter notre part de la Torah, notre perception de la Torah, notre profondeur dans la Torah, notre chélek de la Torah. Ça, c'est pour la traduction de la tfila. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas tellement le rapport avec la Mishnah. Alors tout d'abord, si déjà j'ai commencé avec le Gaon de Vilna, alors le Gaon de Vilna nous dit qu'en fait c'est une erreur, elle ne devait pas être là, cette Mishnah. Elle devait être, si vous faites attention, on est en ce moment dans le Mishnah Chaf, il y a ce Mishnah Chaf Aleph et Chaf Bet, et on a fini en théorie la Maseret. Parce que le sixième Perek, qui s'appelle de Pirkei Avot, le Kinyan Torah, en réalité, il n'est pas vraiment de Pirkei Avot. On va expliquer quand on y arrivera pourquoi. Et de ce fait, en fait, c'était une erreur que cette Mishnah, cette fin de Mishnah, elle s'est glissée là au lieu de partir à la fin de la Mishnah, et que le principe de cette Mishnah, en fait, c'était de conclure la Maseret Avot. On a parlé de toute la transmission de la Torah qui a été transmise, et que finalement, on finit avec un petit sentiment en se disant aïe aïe aïe, on n'a plus la Torah à notre époque, il va sonner Hachem que tu construises prochainement ton Beit HaMikdash afin qu'on puisse recevoir encore toute ta Torah. C'était une conclusion de tout Pirkei Avot finalement. Ça, c'est selon le Gaon de Vilna. Et j'ai découvert, en fait, ici, un Rebbe Weiger qui rapporte au nom du Tshuvat Radach, que je ne sais pas qui est le Radach. En tout cas, il rapporte quelque chose de super, en nous disant qu'en fait, c'était une fila que Yehuda ben Tema, il avait l'habitude de dire. Si vous faites attention, il y a un petit problème dans le Mishnah, en fait. Alors, Yehuda ben Tema, il nous a dit, tu sais, il faut que tu sois effronté pour étudier la Torah. Et après, il nous dit, l'effronterie, la Gehenam. Alors, j'ai pas compris, il faut que je développe l'effronterie, il faut que je sois un petit gentil, un petit toutou devant mon Rav. Oui, ce qu'il a dit le Rav, amen, j'ose pas le truc. Ou bien non, je tiens tête, et je dis, je comprends pas, c'est pas juste, je pense différemment. Alors, quelle conduite je dois adopter face à mon Rav? Alors là, sur ça, bien sûr, Yehuda ben Tema, il est un petit peu en contradiction, il nous dit, sache que cette mida de tenir tête comme ça, d'être une tête dure, c'est mauvais, ça va t'amener au Gehinam. Mais malheureusement, pour étudier, t'as pas le choix de l'apprendre, de l'utiliser, cette azout, cette effronterie. Alors sur ça, il conclut, il nous dit, écoutez, bien que le Hazpanim, la Gehinam, mais je t'ai dit que t'étais obligé malgré tout d'avoir la azout, d'avoir l'effronterie pour étudier la Torah, et Yiratson, que verra Hachem. Bientôt, Hachem va reconstruire le Beit HaMikdash, et Hachem, il pourra nous faire comprendre et percevoir les profondeurs dans la Torah, sans qu'on ait besoin d'utiliser même ces midot un petit peu trop sensibles et trop dangereuses pour pouvoir étudier la Torah, qu'Hachem nous ouvre directement les yeux du Sechel, Bezrat Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlacha Kol Tov, c'est là.